petit parisien déguster des produits venus d'Afrique. C'est l'idée originale proposée par Seed Foundation. Éveiller leur curiosité pour porter un nouveau regard sur le continent africain. Découvrez les réactions de ces enfants goûtant pour la première fois des bananes plantains, du bissap et du gingembre. On dirait une brochette de pommes de terre cuites. Ah, un concombre, du poivron, une aubergine. Est-ce que c'est un légume? Du poulet. Ça me rappelle un goût, mais je me souviens plus ce que c'est. On dirait des potatoes. Pas des potatoes, des potatoes grandes. Mais elle est verte. Elle est verte. Plus gros que ce que je te croyais. C'est un peu sec. C'est de la banane, mais pas de la banane qu'on mange tous les jours. Oh, c'est dur quand même. Ah ouais. Pas par rapport aux bananes. Concombres, pourquoi ça se mange pas cru? Je me demande comment il faut pour couper. C'est dur. Banane plantain, voilà, banane plantain. Oui, c'est bien des bananes plantain frites. On appelle ça de l'aloco. Pour les enfants, ça se goûte? Pas du coquin. Du vin. Le goût. Au début, au sirop de grenadine, mais à la fin, ça fait pas le sirop de grenadine. Ah oui, c'est fait. C'est pour ça que c'était aussi fort. C'est ça qui fait du goût fort. Mais oui, c'est pas des raisins en fait. Des betteraves. Des feuilles mortes. Des pétales de fleurs séchées. Ça se voit pas les feuilles? Ce sont des fleurs séchées d'hibiscus infusées. La boisson s'appelle le bissap. T'aimes? De sucre et de sel. J'ai l'impression qu'il y a de l'ananas et de la mangue. Ça va pas plus. T'as vu trop. Une fois, je rentre chez moi. C'est comme du manioc. C'est un petit peu au goût de savoir. Ah ouais, c'est la même odeur que ça. Et non, tu viens juste de goûter des bonbons à base de racines de gingembre.